Le Japon, le pays où sans cesse la modernité flirte avec la tradition, le zen avec l'extravagance, mais aussi le pays où le cheval est roi. Au Japon, 18 000 courses ont lieu chaque année, déplaçant les foules, soulevant les passions. Véritable engouement populaire, les courses hippiques japonaises ont aujourd'hui atteint le plus haut niveau. C'est le fruit du travail de toute une filière cheval. Et comme toujours, tout commence par l'élevage. Nous sommes ici dans une ferme. Cette ferme est en fait un élevage de chevaux. Nous avons beaucoup de juments. De nombreux poulains naissent ici chaque année. On commence à monter un cheval lorsqu'il atteint l'âge d'un an, à l'automne, et jusqu'à ce qu'il ait deux ans, vers la fin de l'été. Le dressage se passe à l'élevage avant qu'il n'aille sur les hippodromes. Cela demande beaucoup de travail. Nous appelons les mâles les shimoba. On les achète, soit à l'étranger, soit au Japon. Et on travaille tous en collaboration pour bien les entraîner à la course. Pour la pâture des chevaux, des experts des États-Unis viennent nous donner des conseils sur la nourriture appropriée. Et pour le dressage et l'entraînement, je me rends en France, à Chantilly par exemple. Je vais observer en France ou en Angleterre la manière dont on entraîne les chevaux entre l'automne, lorsqu'ils ont un an, et jusqu'au printemps de leurs deux ans. Le Hara Shadai est le plus grand élevage du Japon. Actuellement, près de 600 chevaux issus de cet élevage participent aux courses, ce qui représente plus de 10% des chevaux engagés en compétition. Yoshida Teruya est l'héritier de plusieurs générations d'éleveurs. Il est aujourd'hui à la tête d'un véritable empire. Je suis né dans une ferme. Je travaille avec les chevaux depuis toujours. Quand j'étais à l'école primaire, l'été par exemple, je coupais l'herbe ou bien j'allais nettoyer les écuries.
On m'a fait faire cela depuis l'école primaire. C'est comme ça qu'on m'a élevé. C'est donc devenu quelque chose de naturel pour moi. J'ai eu aussi des moments durs où les chevaux ne pouvaient pas courir. Mais j'ai toujours persévéré. Je pense qu'aujourd'hui, la température doit être autour de zéro. L'eau est glacée. Aujourd'hui, avec toutes les juments que les propriétaires nous ont confiées, nous avons environ 500 juments sur le point de devenir mères. Et nous avons au total 400 employés qui travaillent ici chaque jour, en comptant les entraîneurs et le personnel des écuries. C'est pourquoi, si les chevaux ne courent pas, ils ne pourront pas gagner. Ce qui serait difficile pour nous. Je m'appelle Okadame, j'ai 22 ans et je suis étudiante en quatrième année à l'université où j'étudie l'Égypte antique. Dès mon plus jeune âge, je me suis aperçue que j'aimais les chevaux. J'aimais beaucoup les regarder. Et comme à côté de chez moi, il n'y avait pas de ferme, la manière la plus facile de m'en approcher était d'aller sur les champs de course. C'est comme ça que j'ai naturellement commencé à fréquenter les hippodromes. Je ne regardais que les chevaux. Je ne connaissais ni les entraîneurs, ni les jockeys. Je connaissais à peine le nom des plus célèbres. Puis, en 2005, il y avait Deep Impact. C'était le cheval le plus populaire au Japon. Mais moi, je ne connaissais aucun jockey. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je savais seulement que le maire était un jockey français et qu'il faisait de bonnes courses. Il lui manquait juste un peu de chance parfois. Je pensais que s'il y avait quelqu'un pour battre Deep Impact sur l'hippodrome Harry Mäkinen, ce serait probablement le maire. Alors, évidemment, quand c'est arrivé, j'ai été très surprise, mais également très heureuse. Lorsque le maire participe aux courses au Japon, j'apporte ma banderole sur l'hippodrome. Je dois aller très tôt le matin, sinon après, il ne reste plus de place. Même si parfois c'est difficile le matin, j'aime bien apporter ma banderole. Courage, vas-y. Oh. Oh.
Je ne m'intéresse pas vraiment aux paris. Pour moi, les courses sont un sport. Et c'est en tant que fan que j'écris. Je raconte par exemple ma journée. C'est destiné aux autres fans qui ne peuvent pas se rendre sur l'hippodrome. Je leur donne des informations. De manière générale, j'écris sur les courses. Mais c'est vrai que je parle beaucoup de Le Maire. Je pense donc que les 200 ou 300 personnes qui consultent mon blog sont également des fans de Le Maire. Enfin, pour la plupart. La première fois que j'ai apporté ma banderole, il m'a donné cette breloque pour portable. Le jour où je l'ai reçue, j'étais très heureuse. C'est mon petit trésor à moi. En principe, au Japon, les jockeys et les fans n'ont pas le droit de se parler. En tout cas, lorsque le maire sort sur son cheval, moi, je suis debout, à côté de ma banderole à l'attendre. Et on se dit bonjour, du bout des lèvres. On se comprend. Et c'est tout. On sent vraiment la ferveur du public. Quand on arrive à se faire connaître au Japon, c'est vraiment quelque chose d'autre. Et bon, quelque part, ça fait plaisir. Pour nous, c'est un petit peu amusant d'être reconnu dans la rue ou dans les restaurants ou dans les commerces. Et c'est quelque chose que nous, on vit très bien puisqu'on n'a pas l'habitude. Et j'ai la chance d'avoir une fan à moi, on va dire. C'est-à-dire qu'elle a confectionné une banderole pour m'encourager, elle me suit sur les hippodromes, je lui fais un petit signe, je lui dis un petit bonjour, je lui fais un clin d'œil. C'est très sympa, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, c'est une demoiselle qui est vraiment très sympathique. Je ne sais pas pourquoi elle est plus fan de moi que d'un autre, mais ça montre un petit peu que le public ici est capable d'être vraiment supporter, non seulement des jockeys, mais aussi des écuries, des chevaux. Moi, j'ai ressenti ce phénomène qu'au Japon. Une seule fois seulement, il avait répondu à un mail. C'était l'année dernière, lorsque je suis allée en France pour l'encourager. Quand je suis rentrée au Japon, je me suis aperçue qu'il m'avait répondu. Il me disait en anglais « Merci d'être venu m'encourager depuis le Japon ». Ça m'avait tellement fait plaisir que j'en ai eu les larmes aux yeux. D'ailleurs, j'en suis encore émue aujourd'hui. Maintenant, le Japon est quasiment un passage obligé dans la carrière d'un jockey pour devenir un jockey internationalement reconnu. Du fait que le niveau des courses au Japon s'est considérablement amélioré depuis maintenant une bonne dizaine d'années, avec des élevages de très très haut niveau, des courses ultra sélectives, un niveau de jockey qui s'est aussi beaucoup amélioré. Ça fait 6 ans maintenant que je viens et j'ai été époustouflé par la façon dont se déroulaient les courses, l'organisation, le timing. Maintenant, le Japon fait partie des grandes nations des courses. Il faut vraiment le voir pour le croire.
La première fois que je suis venu, j'étais un petit peu comme un enfant devant un arbre de Noël. Hein. J'étais vraiment dépaysé par ce que je voyais. Ici, il y a des courses que le samedi et le dimanche. Donc moi, ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps à passer avec ma famille. On est beaucoup moins stressé, beaucoup moins pressé aussi. Pour nous, maintenant, c'est devenu une habitude de venir passer l'hiver ici. Au Japon, en présence de l'empereur Momu, en l'an 701, le Kurabe-uma, qui veut dire littéralement « comparer les chevaux », et le Yumi-uma, qui est le fait de tirer à l'arc à cheval, ont été pour la première fois montrés en public. Le Kurabe-uma consiste à faire s'affronter deux cavaliers sur leurs chevaux. Ils se cognent, se bousculent et cherchent à faire tomber leur adversaire. On retrouve d'ailleurs beaucoup de témoignages sur des paravents. D'une certaine manière, le succès de cette discipline se retrouve dans la popularité des courses de chevaux aujourd'hui. À la fin de la période féodale, l'équitation à l'occidentale sera introduite au Japon. Depuis cette époque, des courses hippiques sont organisées dans tout le pays. Elles sont très populaires et bénéficient d'un soutien public rarement observé dans d'autres pays. Les débuts modernes des courses hippiques ont eu lieu au Japon en 1862, à Yokohama. Elles étaient à l'époque destinées à la diaspora étrangère qui habitait ce port. Après cela, les courses se sont poursuivies jusqu'à l'époque actuelle. Il est vrai qu'avec la Seconde Guerre mondiale, tous les chevaux furent anéantis, ce qui représentait un manque énorme à combler par la suite. Avec le retour progressif de la reproduction des chevaux, les clients commençaient de nouveau à s'intéresser aux courses et les ventes ont grimpé. Alors, en 1954, l'association japonaise des courses, la JRA, a été créée. Cet organisme accompagnait logiquement l'augmentation des ventes, le nombre de chevaux et le nombre de fans.
Avec l'amélioration de l'économie japonaise, les propriétaires et les éleveurs ont pu progressivement faire venir de l'étranger des chevaux pour la reproduction. La JRA, l'association japonaise des courses, a contribué à l'essor des courses au Japon en développant une politique d'aide aux éleveurs. Dans cette optique, elle achète depuis 1958 plusieurs dizaines d'étalons reproducteurs dans des pays étrangers qu'elle propose aux éleveurs à des prix modérés. L'île d'Hokkaido accueille plus de 75% des haras du Japon. Le climat y est rude, mais la terre moins coûteuse. C'est pourquoi on y trouve près de 1200 élevages. Sur les nombreux haras de l'île d'Hokkaido, quelques petites fermes ont réussi à se hisser parmi l'élite. C'est le cas du hara Hayashi, qui a fait naître plusieurs grands cracks ces dernières années, dont le fameux Meisho Samson, qui participa au prix de l'Arc de Triomphe à Paris. Ah, j'ai froid aux pieds. Je suis né ici et mon père faisait le même travail. J'ai fait mon collège ici aussi. Puis, pour le lycée, je suis allé dans un établissement spécialisé dans l'élevage de chevaux. C'est après que je suis entré à Nishibokujo, une ferme du voisinage où j'ai fait mon apprentissage en pensionnat pendant 3 ans. J'ai travaillé environ 4 ans. Ensuite, je suis retourné dans ma ferme natale et j'ai pris la suite de mes parents et de mes grands-parents. Depuis, je n'ai pas arrêté de faire ce métier. Allez, viens. Il fait trop froid. On rentre à la maison. Bien sûr, j'aime les chevaux. Mais c'est aussi un métier. Je les vends, je gagne de l'argent, mais il faut que cet argent circule à nouveau. Comment dire? En réalité, je n'ai pas vraiment beaucoup d'argent. C'est même parfois difficile. Je n'ai pas de capital à investir. Je vends des chevaux, et avec les fonds dégagés, j'en achète d'autres pour leurs semences. Après, on fait naître de nouveaux poulains que l'on revend, et ainsi de suite. C'est bien. Je n'ai pas été trop regardant sur les dépenses, et il y a eu des moments vraiment difficiles. Mais c'est ça aussi, tenir une trésorerie. Avant que Meisho Samson ne court, il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu plusieurs chevaux qui sont décédés après des fractures. D'autres sont morts en fausse couche, et il y a eu aussi des chevaux morts-nés. Les malheurs se sont succédés. Ce fut une période assez difficile. Cette année-là, j'avais perdu 4 têtes. C'était vraiment très pénible. Même si l'on souffre parfois, il y a aussi des moments joyeux. Il faut arriver à transformer le négatif en positif pour y parvenir. C'est aussi ça, la vie dans une ferme. Mon fils est actuellement étudiant. Il voudrait me succéder plus tard. On est déjà plusieurs dans la famille à travailler pour la ferme. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. L'année prochaine, mon fils ira dans une école pour apprendre les langues étrangères.
Je pense l'envoyer étudier en France ou en Angleterre. On est à l'époque de la mondialisation, après tout. Je m'occupe des chevaux dès leur naissance. Je les trouve mignons, évidemment. Comme deux de mes poulains, Tozai ou Sonata. Ensuite, ils participent à des courses et gagnent parfois. Et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est comme si on suivait son propre enfant. C'est ça être parent, n'est-ce pas? C'est un peu comme quand l'enfant que vous avez élevé gagne une compétition sportive à l'école. C'est ça, ma principale satisfaction. Afin de détecter au mieux les nouveaux cracks, la JRA a créé le centre d'entraînement le plus moderne du monde, à proximité des petits élevages. 1500 hectares, 8 pistes, dont 3 couvertes pour l'hiver, accueillent les professionnels pour un prix modique. Depuis mon entrée à l'école, c'est le système de vie en communauté qui a été le plus grand changement pour moi. Je dois faire par moi-même un certain nombre de choses. Ma lessive, ainsi que tout ce qu'on faisait pour moi à la maison. Au début, ça surprend. Il faut le temps de s'habituer. Mais maintenant que j'ai pris le pli, cette vie me plaît. À 5h30, c'est la levée. Ensuite, les activités d'écurie commencent. On vide les litières, on nourrit les chevaux, et après on s'entraîne. Ensuite, c'est l'heure du petit déjeuner, et après une demi-heure de pause, on commence les cours. Une fois les cours finis, on reprend les activités d'écurie, on soigne à nouveau les chevaux, et on s'entraîne encore une fois. Ramène tes rênes et synchronise-toi au rythme du cheval. L'existence de cette école est indispensable dans le monde de l'équitation japonaise. Contrairement aux États-Unis et à l'Europe, des élèves n'ayant jamais monté à cheval peuvent venir apprendre l'équitation ici. Mais
Nous formons deux types d'élèves. Les lads d'une part et les jockeys d'autre part. Les apprentis jockeys commencent vers l'âge de 15 ans et ils terminent vers 18-19 ans. Les lads, quant à eux, peuvent commencer de 19 à 27 ans leur apprentissage. Les futurs jockeys apprennent bien entendu la technique. L'enseignement porte sur l'équitation, en plus d'un enseignement d'ordre général. On les fait courir par combien ? Par 7. Ok, c'est bon. Tu peux revenir de ce côté-là. Il est à combien, Sugawara ? Sugawara, 17,5. 17,5. C'est pas mal. Et Takakula ? 14,5. C'est bien. C'est bien, continue. Oh, Sugawara ne se tient-il pas trop bas sur son cheval ? Nous avons un nombre variable de diplômés chaque année. En général, entre 3 et 10 élèves sont diplômés. Je ne sais pas si c'est la mentalité japonaise qui veut ça, mais les nouveaux prennent pour modèle les élèves de classe supérieure et cela, ça facilite énormément mon travail. J'aime les chevaux depuis que je suis tout petit. Mes parents m'emmenaient souvent sur les hippodromes. Là-bas, j'ai vu les chevaux et les jockeys ne faire qu'un. Et puis, je les ai vus courir. Et j'ai trouvé ça super classe. Comme je n'étais pas grand, je pensais que je pourrais devenir jockey. Alors, j'ai commencé les études dans cette voie. Aujourd'hui, je suis ici. Mais ça a été dur d'être admis dans cette école. Alors maintenant que j'y suis, c'est comme un rêve qui s'est réalisé. Je m'imaginerais bien, après avoir gagné, faire le winning run devant la foule. Pour préparer l'événement hippique de l'année, la Japan Cup, tous les jockeys se retrouvent au centre d'entraînement de Ritto. Durant toute la semaine, les jockeys étrangers vont côtoyer leurs homologues japonais. Ritto, c'est le lieu de rendez-vous de tous les professionnels des courses. Des journalistes aux propriétaires, des jockeys aux entraîneurs. Les médias japonais sont en effervescence. Tous les journalistes qui couvrent l'événement viennent se tenir au fait de la forme des jockeys et de leur monture. La compétition approche. Je suis journaliste pour le journal Nikkan Sport. Je m'appelle Mio Wada. Je suis en charge des courses hippiques depuis 7 ans. Le journal est tiré à environ 500 000 exemplaires. Il
Le Japon est un pays où le système des jeux est fort. Le plus important est de donner aux lecteurs des suggestions sur les chevaux sur lesquels ils peuvent parier. Je m'intéresse aussi aux jockeys qui viennent de l'étranger, car ce sont des jockeys que je ne vois pas habituellement. Il faut donc que je me renseigne sur le style et sur la forme de chacun d'entre eux. Cette année, le jockey étranger qui intéresse le public japonais est français. Christophe Lemaire, qui commence à gagner des courses importantes au Japon, est le jockey convoité par la presse. Concernant Lemaire, il a gagné sur Little Amapola la Coupe de la Reine Elisabeth II l'année dernière. Et sur l'hippodrome Harry Mäkinen, il a battu Deep Impact sur Earth Cry. Il est vraiment très fort. Dernièrement, Lemaire sort des manœuvres inattendues. Les fans, surtout ces fans japonais, se demandent à chaque fois quel tour il va encore sortir de son sac. Hi, I am Christophe Lemaire representing France in the International Jockeys Challenge. Come and support me. Mais au Japon, il existe un jockey superstar. Sa renommée dépasse largement les frontières des courses hippiques. Sur ces terres, Yutaka Take est un véritable phénomène. Il a élevé le monde des courses hippiques au Japon en étant continuellement numéro 1. Il gagne 200 courses par an, avec un total de plus de 3000 victoires. Et il n'arrête pas de casser ses propres records. Il est extraordinaire. Japan Cup, la Japan Cup, c'est actuellement la première course japonaise qui se déroule à l'échelle internationale. Je la regarde depuis l'enfance, c'est vraiment une des courses que j'adore. Je monte Ridge the Crown, un poulain classé second du derby japonais, et j'avais aujourd'hui vraiment de très bonnes conditions. Comment dire Je ne pense pas que ce soit un cheval qui attire l'attention des parieurs ou des médias, mais personnellement, j'en attends vraiment beaucoup. C'est très excitant de voir autant de participants venir de l'étranger. J'ai hâte de voir cette course sur 2400 mètres à Tokyo, car c'est une rude bataille entre les meilleurs chevaux du monde entier. À partir du vendredi soir, on est obligé d'aller en quarantaine sur l'hippodrome. On met les jockeys à un endroit tous ensemble et comme ça, on est sûr que le lendemain matin, ils seront présents, en bon état de marche, prêts à faire leur boulot à fond. C'est une manière de s'assurer que les courses se dérouleront dans les règles. Ce système n'existe cependant pas à l'étranger.
Alors en fait, c'est comme un petit hôtel, chacun a sa chambre indépendante. Il y a un réfectoire avec un cuisinier, il y a des saunas, il y a une petite salle de jeu. C'est surtout un lieu où on se conditionne un petit peu pour les courses. On a le temps d'étudier le programme du lendemain, on a le temps de faire son poids, comme on dit, pour être au poids le lendemain. Donc moi, je trouve que c'est bien, ça me convient bien, ça permet de bien se concentrer et c'est pas du tout une contrainte. Près de 47% des paris sont réalisés dans les Wins. Ces complexes entièrement dédiés aux courses accueillent les parieurs sur plusieurs étages. Les écrans permettent de suivre les courses dans tout le pays. Des salons privés payants sont également accessibles, où l'on peut passer la journée. On compte 52 Wins répartis dans tout le pays. Chaque année, les Japonais jouent des dizaines de milliards d'euros sur les courses. La nuit tombée, l'activité de Tokyo reste incessante. 35 millions d'habitants font battre le cœur économique du Japon. Pour se divertir, les Tokyoïdes sont adeptes des pachinkos et des salles de jeu. Et là aussi, les courses hippiques restent très prisées. La mégapole qui consomme autant que le Danemark, la Grèce et l'Argentine réunies reste en agitation permanente. Et pour beaucoup, demain est le grand jour tant attendu. Ils ont passé la nuit dehors pour avoir les meilleures places du spectacle. Leurs idoles s'appellent Yuta Katake, Christophe Lemaire ou encore Vodka et Red Desire. Ils ne sont pas venus voir une rockstar, mais assister à une course, la mythique Japan Cup. Tout le monde attend. Plus de 100 000 personnes sont venues voir les meilleurs jockeys du monde. Le Japon a su faire d'un hippodrome un véritable centre de loisirs. On y vient en famille, on s'y amuse. On y mange, on peut faire son shopping dans les galeries marchandes et surtout, on peut jouer sur les courses de la journée.
Marshside était le favori l'année dernière, mais il a annulé au milieu de la saison. Oui, oui, c'est vrai. Je me souviens, j'avais écrit un grand article sur lui. L'entraîneur a fait du bon travail. L'entraîneur est très confiant cette fois-ci. Je pense que c'est le père et le fils qui vont gagner. C'est le père et le fils qui gagneront. Regarde, ils l'ont classé dans le rouge. Il y a quand même un risque. Voici vos tickets. Merci. Tsune-san a acheté un billet pour la 9e course, mais il s'est trompé. Il a dû en racheter un pour la 8e. C'était quoi son pari ? Eshin Deputy. Dans la Japan Cup ? Et le numéro 9 ? Et le numéro 11 ? Ah non, c'était Marshall le numéro 11. Salut. Je me suis encore trompé. J'ai acheté deux fois le même billet, mon cheval gagnant est à 20 contre 1. Le deuxième est à 80 et le troisième à 100 contre 1. En comptant mon multi, j'ai parié 10 000 yens. Et avec ton argent, on ira boire après. Ou plutôt s'amuser avec des filles. En plus, c'est pas loin d'ici. Bon, on s'installe en tribune ? Cette année, la foule regarde d'un œil particulier Vodka, la jument numéro 5. Habituellement monté par Yutaka Take, c'est Christophe Lemaire qui sera son jockey aujourd'hui. Tu veux parier sur Vodka ? Vodka ? J'hésite encore. Moi, Vodka, je laisse tomber. Ah bon ? Tu prends un gros risque. Vodka à 2400, ce n'est pas bon. Moi, je laisse tomber. Tando no, tashitachi wa... On regarde généralement la course depuis le stand de presse, situé en haut des gradins. On entend l'excitation de la foule. Quand par exemple le public tape sur les journaux comme ceci, de sentir ce bruit et cette énergie, pour nous aussi les journalistes, ça n'arrive que peu de fois dans l'année. C'est incroyable. Hello, everyone.
pas mal, Véran. Je compte sur toi. Non, 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 ça va pas! Ça va pas du tout! Le maire, vas-y! Oui, oui, oh là là! C'est pas vrai. Allez ! Allez ! Vas-y ! Ouais, bravo! Bravo, vodka! Ouais, bravo! Ça fait plaisir, hein? Ouais! Ça lui fait 7 victoires remportées! Ouais! C'est gagné! Ouais, c'est lui le premier, bien! Paris gagné! Paris gagné! C'est le premier! Bien! C'est le premier! C'est le number 1! Avant tout, je suis vraiment heureux d'avoir supporté le cheval et le cavalier que j'aime. Comme je suis un passionné de chevaux, j'ai la larme facile lorsque mon cheval gagne. Plus que de l'émotion, comment dire, une joie immense. J'ai du mal à l'exprimer avec des mots. Thank you. Pour moi, les courses, c'est toute ma vie. Eh ben, dis donc.